dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vie. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande. Et l'on court au devant du souhait des gens, quand il est vrai que le tabac respire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Reprenons un peu notre discours. C'est bien donc jalousement que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Peux-tu comprendre où je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Il a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut inspirer une peur de ces mauvais augures? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur qu'il est obligé à partir? Non, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper. Mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait d'une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire. Non, mais c'est qu'il est jeune encore, qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si large. Ah oui, sa qualité, la raison en est belle. C'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est ton choix. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme, après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants de vœux de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de sermons réitérés, tant de transports enfin et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un convent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comme, après tout cela, il aurait eu le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand peine à le comprendre. Connaissez le pèlerin, je trouverai la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il changeait de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Chut. Mais, par précaution, je t'apprends, Alternos, que tu vas en ton jouant mon maître. Le plus grand scélérat
diable. Un Turc. Un hérétique qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou. Tu passes cette vie en véritable bête brute. Un vrai sac de Napale, un pourceau d'Épicure qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de pile rosée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec elle, il aura encore épousé toi, son chien et son chat. Pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toute main. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid pour lui. Si je te disais les noms de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Meurs surpris. Il change de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui. Il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Mais le voici qui vient se promener en ce palais. C'est pas en nous. Écoute-moi. Il était cette confidence avec franchise, et je l'avais sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Me semble du bon gussement de Daniel Vire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Ouah, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? Hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Ce bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit! Mais encore! Quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles à vous en tête! Tu le crois? Oui! Ma foi, tu ne te trompes pas. Je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh mon Dieu, je sais mon donjon sur le bout du doigt. Il connaît votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Mais ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh, monsieur! Papa! Ah! Et assurément, vous avez raison! Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Et si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire! Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments.
vous direz franchement que je n'approuve point du tout votre méthode et que je trouve formidable d'aimer de tout compter comme vous faites. Toi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux. Non. Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. Oui, j'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rend à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Et quoi qu'il en soit, je ne puis me résoudre à refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui appelle à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire, enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour pouvoir y étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez. Il semble que vous ayez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, monsieur, j'ai à dire... Je ne sais que dire. Car vous tournez les choses d'une façon qu'il semble que vous ayez raison, et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours ont brouillé tout cela. En laissez faire, une autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Oui, tu feras bien. Et monsieur, serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? De fort bonne! Mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites! Y a-t-il rien de plus agréable? Ah, il est vrai, oui, je conçois que c'est une chose fort agréable et fort divertissante. Et je m'en accommoderai assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Monsieur, se jouer ainsi d'un
mystère sacré. Ah, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démerrons bien ensemble sans que tu t'en mettes en paix. Ah, ça, monsieur, j'ai toujours voulu dire que c'est une méchante raillerie, que de se railler le ciel, et que les libertins ne feront jamais d'une bonne femme. Ah, mais un saut. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrance. Je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Mais si vous ne croyez à rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais, bien nettement, le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel. Et ne tremblez-vous pas de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous. Petit ver de terre, petit mirabolidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie, ce que tous les hommes rêvèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu. Ah, c'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités. Apprenez de moi qui fut votre valet que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que... De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur et qu'entraînée par ses abats, je l'ai suivie jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Ah oui, fort bien, le mieux du monde. Et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Et cette grâce n'est pas peut-être le ressentiment des parents et des amis. Ah, mais cela n'a pas à songer au mal qui nous peut arriver. Songeons seulement ce qui peut nous donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, et qui a été conduite ici par celui-même qu'elle y vient d'épouser. Elle, le hasard, me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu deux personnes être aussi contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion, et j'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença d'abord par la jalousie. Oui. Je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles. Et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la mer. Oh, monsieur, hein? C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin à toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Rencontre fâcheuse. Traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Bah, monsieur, vous ne me l'avez pas demandé.
est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forcée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame. Voilà Scalarelle qui sait pourquoi je suis parti. Je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Scalarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entends de ces raisons. Allons, parle donc à madame. Mais que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le fait ainsi. Et me dites un peu les causes d'un départ si proche. Tu ne répondras pas. Écoutez la réponse. Vous vous moquez de votre serviteur. Peux-tu répondre, te dis-je? Madame! Quoi? Monsieur, si, madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont la cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Pourrait-il donc, Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que
que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi, que la mort, que ne me dites-vous, que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assurer que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre. Et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler. Et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai pas que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point, par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous, davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame. Et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. Oui, j'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient d'autre part. Que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. Et j'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé. Il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut. Et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier. Et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, que pas ? Oh, c'est vivant. C'est maintenant que je te connais tout entier pour mon malheur. Je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Scalarelle! Le ciel! Ah oui, vraiment! Nous nous moquons bien de cela! Nous autres! Madame. Il suffit! Je n'en veux pas ouvrir davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproche ou en injure. Non, non. Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins
la colère d'une femme offensée. Le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh ! Quel abominable maître ! Me vois-je obligé de servir ? Et puis Mathurine est arrivée là, qu'il en a fait les 12 yeux.
Alors justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait... M'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Ouais! C'est le maître! Et il faut que ça soit que gros monsieur, car il a du temps à son habit de pile haut jusqu'en bas. Et ceux qui le serviront sont les monsieur eux-mêmes. Et cependant, tout gros monsieur qu'il est, il serait pas ma pique noyée si je n'avais en mettait là. Ardez un peu! Oh, Parkinson, il en avait pour sa même de paix. Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, mais ils l'avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, j'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'en gigognant aux boutons ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais là-dedans pour moi. J'ai été tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils en ont des cheveux qui ne tenons pas à leur tête. Ils boutons ça après tout là comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui en les manches aujourd'hui ont tout brandi, toi et moi. En lieu d'autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. Et en lieu de pourpoint, des petites brassières qui n'ont pas jusqu'au brichet. Et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à Reusio avec quatre grosses soupes de linge qui le pendent sur l'estomac. Ils avaient tout d'autres petits rabats au bout des bras et quand ils ont moi de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans que ça les ferait pitié. Il n'y a pas jusqu'aux souliers qui n'en soyons farcés de bien bon jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que vous rompriez le coup avec. Par ma fille, Pierrot, faut que j'aille voir un peu ça. Oh, écoute un peu par avant, Charlotte. J'ai que qu'autre chose à te dire, moi. Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Et je somme pour être mariés ensemble. Mais Marquette, je ne suis point satisfait de toi! Comme il faut. Non,
quand ça allait sans toi. Et il en fait mille petites singeries aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assautée du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer et ne laisse jamais en repos. Toujours elle y fait que cniche ou l'y baille que taloche en passant. Et l'autre jour, qu'il était assis sur un escabeau, elle fut le tirer de dessous lui. Elle fit choix de tout son long par terre. Ah, j'arrive là où l'on voit les gens qui aimont. Mais toi, tu ne me dis jamais aimant. T'es toujours là comme une vraie souche de bois. Et je passerai 20 fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour me bailler le moindre coup, bien la moindre chose. Ventre que ne sait pas bien après tout. Et t'es trop froide pour les gens. Veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur et je ne puis me refondre. Mais il y a une humeur qui tienne. Quand t'as de l'amitié pour les personnes, l'en avale toujours quelques petites signifiances. Enfin, je t'aime tout autant que je puis, et si t'es pas content de ça, t'as qu'en aimer que contre. Oh bien. Là, pas mon con. Tête Dieu, si tu m'aimais, dirais-tu ça? Pourquoi me viens-tu aussi t'as rabusté l'esprit? Que me manquer? Que mal te fait? Je te demande un peu d'amitié! Ambiant! Laisse faire aussi et ne me presse point tant! Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y penser! Touche donc là, Charlotte. Eh bien, tiens. Promets-moi donc que tu tâcheras de m'aimer davantage. Je ferai tout ce que je pourrai. Mais faut que ça vienne de lui-même. Que je viens de quitter répare ce malheur et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Oh, monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours pris. Père, vous savez ce que vous dites. Et monsieur, c'est ce qu'il fait. Et tiens. D'où sort cette autre paysanne? Elle arrête! Bien sûr qu'elle a vu de plus jolie. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément! Autre pièce nouvelle! D'où me vient la belle d'une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres? Parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants.
Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Ah, n'ayez point honte d'entendre dire vos vérités. Monsieur la reine, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus adorable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, cette taille est jolie. Et haussez un peu la tête. De grâce. Ah, que ce visage est mignon. Mais ouvrez vos yeux entièrement. Oh, qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. C'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligé, si ça est. Pas du tout, vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout cela est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Escanarelle, regarde un peu ses mains. Oui, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites, et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du sang. Ah, 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 ah. Ben, dites-moi un peu, belle Charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans doute. Non, monsieur. Mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non. Non, c'est profaner tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune, et le ciel, qui le connaît bien, m'a envoyé ici tout exprès pour empêcher ce mariage. Et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Mais cet amour est bien faux, sans doute. Mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs et que vous autres courtisans êtes des enjôleux qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Ils m'agardent. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi? J'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non. Non, j'ai trop conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage, m'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez rien. Il se mariera avec vous tant que vous le voudrez. Moi, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser les filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis,
Votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille! Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez comme j'y vais de bonne foi. Comment ? Il me semble que vous doutez encore de ma sincérité. Et voulez-vous que je fasse des serments épouvantables ? Que le ciel ? Je ne jurerai pas, je vous... Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que je sois mariée. Je vous prie, après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main. Et souffrez que par 1000 baisers, je m'exprime le ravissement où je suis. Que par... Tout doucement, monsieur! Tenez-vous, s'il vous plaît! Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la pluraisie. Oui, ma reine, c'est impertinent. Je vous dis que vous teniez et que ne caressiez pas nos accordés. Ah, que de bruit. De tugas, c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Laisse-le faire aussi bien. Comment que je le laisse faire? Je ne veux pas, moi. Ah. De tugas, parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe. Allez vous en caresser les vôtres. Heureux de tous les hommes. Je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Et que... Oh, monsieur, faites-vous donc là avec Charlotte.
Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc, vous veut maturer? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile, elle s'est mis cela dans ma tête. Manon, maturie? C'est en vain que vous lui parlerez, vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Maman! Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense... Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je vais voir un peu ses raisons. Quoi? Gage qu'elle va me dire que je lui ai promis de l'épouser. Je... Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Voilà, Charlotte! Ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres! Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle! C'est moi que monsieur a vu la première! S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser! Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains! C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser! N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je! Vous vous moquez des gens, c'est moi encore un coup! Le blague est pour dire si j'ai pas raison! Le blague est pour démentir! Si je ne dis pas vrai! Est-ce, monsieur, vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi! Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle soutient! Laissez l'affaire! Laissez-moi comment la dire! Laissez-la dire! Non, non, il faut savoir la vérité! Question de jurer ça! Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec, Jaune! Monsieur, vous rendez avec Camille! Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît! Mettez-nous d'accord, monsieur! Allez voir! Allez voir vous-même! Lui, parlez! Je vous dise, vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à l'érudite? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi de se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles aussi. Ne serait-ce rien que par là que je veux vous mettre d'accord. Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. Oh, j'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime au moins. C'est moi qui l'épousera. J'ai honte de votre faiblesse. Je ne puis souffrir de vous voir courir ainsi à votre malheur. Croyez-moi l'un et l'autre. Ne vous amusez point à tous les comptes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Je voudrais bien savoir pourquoi Scanarel ne me suit pas. Mon maître est un fou qui n'a dessein que de vous abuser et en a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain et je... Ah non, ceci est faux.
Et quiconque devant vous dire cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur de Jean Roulin, il n'est point fourbe, il n'a pas dessein de vous trahir et n'a jamais abusé personne. Ah, tenez, le voici. Demandez-le plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, comme le monde est plein de médisances, j'allais au-devant des gens et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elle se gardasse bien de le croire et ne manquasse pas de dire qu'il en aurait menti. Si elle arrête. Mon maître est homme d'honneur, je le garantis-t-elle. Ce sont des impertinents. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment ? 12 hommes à cheval vous cherchent. Ils doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse. Et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Égal, il faut user de stratagèmes et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Scannarelle se revête de mes habits. Comment, monsieur, m'exposer à être tué sous vos habits? Allons, vite! C'est trop d'honneur que je vous fais. Et bienheureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Au ciel! Puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. Enfin, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était pas du tout à propos et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, que je ne sais où tu as été déterré. C'est un attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin. J'ai été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Et savez-vous, monsieur, que cet habit me met des gens en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, nous voyons passer,
Nous sommes dû demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, point du tout. Soutenir l'honneur de mon ami, j'ai raisonné sur leur mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les balades guérissaient. Et qu'on m'en va te remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur des malades et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard. Force de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez ni au séné, ni à la casse, ni au vin hémétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez que depuis un temps, le vin hémétique fait bruire ses fusons. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas trois semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui depuis 5 jours était à l'agonie. On ne savait que lui ordonner et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'hémétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non. Il mourut. L'effet est admirable. Ah, comment, monsieur? Il y avait 5 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et ça le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Bon! Mais laissons-moi la médecine, vous ne croyez point, et parlons un peu des autres choses. Cet avis me donne de l'esprit, et je me sens d'humeur à disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je voudrais savoir un peu vos pensées à fond. Comment, monsieur, est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et alors? Eh. Moi aussi peu. Et au diable, s'il vous plaît. Oui, oui. Tout de même. Ne croyez-vous point l'autre vie? Ah, ah, ah. Oh, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Dites-moi un peu, monsieur. Le moine bourru. Qu'en croyez-vous? Et oh, la peste soit du fac. Et voilà ce que je ne saurais souffrir! Car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là! Mais encore, faut-il croire quelque chose en ce monde? Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui! Je crois que 2 et 2 sont 4, Scannaren. Et que 4 et 4 sont 8. Belle croyance que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est dans l'arithmétique. Il faut avouer, il se met d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que
ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là. Ces rochers. Cette terre. Et ce ciel que voilà là-haut. Bâti de lui-même. Vous voilà, vous, hein? Par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? N'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes ces merveilles dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre. Ces nerfs, ces artères, ces veines, ce foie, ce cœur, ce poumon et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, non, interrompez-moi donc si vous le voulez. Je ne saurais disputer si on m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, et que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici? Quelque chose dans la tête qui pense 100 choses en même temps et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains. Hausser le bras. Levez les yeux au ciel. Baissez la tête. Remuez les pieds. Allez, de droit. De gauche. En avant. En arrière.
Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Ah, mon Dieu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez tout ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damnés. Mais tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme. Le voilà là-bas. Je vais lui demander le chemin. L'ami! Oh, mon compère! Enseigne-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Qu'à suivre cette route, messieurs, et tournez la main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous pouviez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ah, ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel pour qu'il vous donne toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Ah, vous ne connaissez pas, monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et 4 et 4 sont 8. Parmi ces arbres. De prier le ciel tout le jour pour la prospérité de gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous la dent. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or. Tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Si tu jures. Tiens. Il faut jurer. Monsieur! À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu. Il n'y a pas de mal. Prends, voilà, prends, te dis-je. Mais jure donc! Non, monsieur! J'aime mieux mourir de faim! Ah, va, je te le donne! Pour l'amour de... l'humanité! Là, un homme attaqué par 3 autres. La partie est trop inégale et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Ah! Hey! Ah, mon maître est un enragé. Il va se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Ouh!
les filles, les trois. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse. Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait à ma place. Notre propre honneur est intéressé en de pareilles aventures. Et l'action de ces coquins était si large que je suis été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à... se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste, et que si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureux de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite. D'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui, et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire, qui s'avisera de lui faire une de ces insultes pour qui un honnête homme doit périr. Et on a cet avantage qu'on fait courir le même risque, et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclatée, notre honneur ne va point vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un convent. L'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet. Il nous a dit qu'il sortait à cheval accompagné de 4 ou 5 et qu'il avait pris le nom de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non! Quant à moi, je ne l'ai jamais vu et je me l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout.
Et c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais enfin, quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre vengeance. Non, au contraire, je veux vous y servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire faire raison par lui. Mais quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez. Et quand il vous plaira, cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés. Mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre, que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme moi-même. Et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle! Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Faites-moi voir nos chevaux! Et qu'on les amène après nous! Je veux un peu marcher à pied. Que vois-je ici? Quoi? Mon frère! Vous voilà avec notre ennemi mortel! Notre ennemi mortel! Ah oui! Je suis Don Juan, moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Empêche notre vengeance. Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre. Et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez ici que je lui rende ce qu'il m'a prêté. Que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance. Et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non, non. C'est hasarder notre vengeance que de la reculer, et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, il ne faut point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugniez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous reculer.
reculer. Et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce, mon frère. Tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous, mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ces jours. Et je jure le ciel que je ne défendrai ici contre qui que ce soit. Et je serai le à rempart de cette même vie qui l'a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. De la modération dans une action légitime. Et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur, dont nous soyons les maîtres. Une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison. Et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi. Et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être reculée, n'en sera pas moins éclatante. Au contraire, elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. Faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous engage. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez le soin que j'ai de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments. Et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quel que choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie.
Et vous ressouvenez que hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Mais je n'ai rien exigé de vous. Je tiendrai ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi non. C'est un frère d'Albire. Ah! Il est assez honnête homme, il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Don Albire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais. Je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles et c'est à elles de le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais... quel est ce superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, pas moi. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur. Et j'ai envie d'aller la voir. Ah, monsieur! N'allez pas là! Pourquoi? Cela ne serait pas si vil d'aller voir un homme que vous avez tué. Non, au contraire, c'est une visite dont je vais lui faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Allons! Entrons dedans! Oh, monsieur, que cela est beau. Les beaux marbres, les belles statues, les beaux piliers. Que cela est beau. Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Monsieur, voici la statue du commandeur. Voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ah, monsieur. Voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort. Ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je pense. Demande-lui, te dis-je. Vous me moquez. Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis.
Quelle bizarrerie. Seigneur, commandeur. Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui m'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître, Donjon, vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Sortons d'ici. Voilà de nos esprits forts qui ne veulent rien croire. Bah, laissons cela, c'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour. Ou surpris de quelque vapeur qui nous ait trompé la vue. Ah, monsieur, ne cherchez pas à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, ait produit ce miracle pour vous convaincre et vous ôter. Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus. Appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par trois ou quatre, et te rouer de mille coups. M'entends-tu bien? Fort bien, le mieux du monde. Et vous vous expliquez clairement. C'est sciemment en vous que vous n'allez point chercher de détour. Vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, qu'on me fasse à souper le plus tôt que l'on pourra. Et une chaise, petit garçon. Monsieur, il y a là votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon! Voilà ce qu'il nous faut qu'on complète mon créancier. De quoi s'agit-il que vous venez demander de l'argent? Que ne lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a trois quarts d'heure que je le lui dis, mais il ne veut pas le croire, et s'est assis là-dedans pour attendre. Mais il attend tant qu'il voudra. Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire seller aux créanciers. Les ponts de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un coup. Ah, monsieur Dimanche, approchez. Je suis ravi de vous voir. Et que je fais de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. Oui, j'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu, coquin! Je vous apprends.
laisser Monsieur Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment? Vous dire que je n'y suis pas, Monsieur Dimanche, ou meilleur de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. J'étais... Allons vite un siège, Monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Point. Je veux que vous soyez assis. Contre moi. Cela n'est point nécessaire. Oh, d'esprit, on y apporter un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, je sais ce que je dois. Je ne point qu'on mette de différence entre nous deux. Monsieur. Allons, asseyez-vous. Il n'y a pas besoin, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais... Mettez-vous là. Non, monsieur, je suis bien. Je viens... Non. Je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Parlez, monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond. Ah. De santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil, des yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Oh, bien, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? La meilleure du monde. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Et le petit connard fait toujours bien du bruit avec son tambour. Toujours d'un âme, monsieur. Et votre petit chien brusquet gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous? Que jamais, monsieur, nous ne serions en chemin. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille. Car j'y prends beaucoup d'intérêt. Ah. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Touchez-donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'en aurez trop, je... Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Ah ça, monsieur Dimanche, sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur! Il faut que je m'en retourne tout à l'heure! Allons vite, un flambeau pour conduire monsieur Dimanche! Et quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter! Je n'en ai pas besoin, je m'en irai bien tout seul! Comment je veux qu'on vous escorte? Je m'intéresse tout à votre personne. Je suis votre serviteur et de plus, votre débiteur. Oh, monsieur! Ah, c'est une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le monde. Si. Voulez-vous que je vous reconduise? Monsieur, vous vous moquez. Monsieur. Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité, tant de compliments. Je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière... Je crois, mais... Scannarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Ne vous mettez pas en tête. Il vous paiera tout ce que vous voudrez. Mais vous, Scannarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Oui, ne parlez pas de cela. Comment je... Ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche. Ah. Je vais vous éclairer. Mais mon argent... Vous moquez-vous? J'entends. Bagatelle. Je veux... Si. Si, vous dites.
monsieur votre père. Me voici bien, il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse. Que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas le soin des choses au ciel qu'il nous faut. Que nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils. Je l'ai demandé avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux et le chagrin et le supplice de cette vie même, dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on appelle aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toute heure à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Quelle bassesse est la vôtre? Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non! Non! La naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas! Aussi, nous n'avons pas à la gloire de nos ancêtres. Autant que nous nous efforçons de leur rassembler, et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leurs actions si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Prenez enfin. Un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature que je regarde bien moins aux noms qu'on signe, aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez ainsi, vous en seriez mieux pour parler. Non ! Insolent ! Je ne vais point m'asseoir ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout, que je serai plus tu que tu ne penses mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel ! Et laver par ta punition
la honte de t'avoir fait naître. Il faut que chacun ait son tour. J'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Souper bientôt. Ah, monsieur. Vous avez tort. J'ai tort. Monsieur, j'ai tort. Oui, monsieur. Vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais vu rien de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de mener une vie d'honnête homme, de se ressouvenir de sa naissance et sans autre sottise de la même nature? C'est bien ce petit souffrir, un homme comme vous, qui savait comme il faut vivre. J'admire votre passion. Et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé, promené. Complaisance maudite, quoi vous criez? Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir installé dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite et ce que j'ai à vous dire. Ne veux point du tout de retardement. Je ne viens point d'ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changer de ce que j'étais. Ce matin, ce n'est plus cette donnée lire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menace et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous. Tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel. Tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu plaires, je pense. Pardonnez-moi, monsieur. C'est ce parfait et pur amour qui m'a conduite ici pour votre bien, pour vous faire part de la vie du ciel et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire, de sa part, que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue et je ne demande qu'assez de vie
pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et méritée par une austère pénitence, le pardon de l'aveuglement, où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel, et ce me sera une joie incroyable. Si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières. Et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme! Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, pour l'amour de vous, pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre! Je m'en vais après ce discours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez le plaisir de demeurer. Je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons pas de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu que j'ai senti encore quelque peu d'émotion pour Anne? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre? Et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint? C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous? Vite à souper! Ah! Volontiers! Scalarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, là. Oui, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-là, et puis nous songerons à nous. Qu'en dis-tu? Rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc, es-tu là? Moi? Rien.
yeux, c'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Le pauvre garçon n'en veut plus et cet abcès le pourrait étouffer. Vite, une lancette pour percer cela. Attends. Ah! Ah! Voyez comme il était mûr. Ah, coquin que vous êtes. Seulement voir si votre cuisinier n'avait point mis trop de poivre ou trop de sel. Allons, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soufflé. Tu as faim à ce que je vois. Ah, ah, je pense bien. Je n'ai point mangé depuis ce matin. Tenez, monsieur, tâtez de cela. Voilà, c'est le meilleur du monde. Des assiettes nettes. Ah! Et vous, petite la Violette, que vous savez offrir à boire à propos. De cette sorte. Qui diable vient nous troubler ainsi dans notre repas? Je veux souper en repos, au moins. Et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez faire! Je m'y en vais moi-même! C'est le... Qui est là? Allons voir. Ils montreront que rien ne me saurait ébranler. Oh, pauvre Scanarelle, où te cacheras-tu? Un couvert, vite. Allons, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai pas faim. Mets-toi là, te dis-je. À boire à la santé du commandeur. Je te l'apporte, ce qu'il y a d'arrêt. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai plus de soif. Bois et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis sans rubis, monsieur. Il n'importe. Allons. C'est assez. Je vous invite
guerrier du seul Sganarelle. Monsieur, je vous rends grâce. Il est demain jeûne pour moi. Prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Quoi, mon fils ? Serait-il possible que la bonté du ciel ait exaucé mes voeux ? Ce que vous me dites là est bien vrai. Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir ? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion ? Oui. Vous me voyez changer de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faite. En ne me punissant pas de mes crimes, je prétends profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un profond changement de vie et réparer par là le scandale de mes actions passées, c'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, mon père, de bien vouloir contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Votre père qui êtes aux cieux. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les pieuses paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils! Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le venait. Comment ? Le venait ? Quoi ? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire ? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur ? Ce n'est pas... Votre... Oh, quel homme ! Quel homme !
suis point changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Quoi, vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue parlante et mouvante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique. Un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de cent fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien? Pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Ah! Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Mais tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Et tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lie à force de grimaces. Une société étroite avec tous les gens du parti qui en choque un se les jette tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touchés. Oui, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Et combien crois-tu que j'en connaisse qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues, et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes. Et j'aurai soin de me cacher. Me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale. Et je serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai pas d'opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété qui saurait déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée.
faut profiter des faiblesses des hommes. Et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Qu'entends-je ? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et cela est le comble de l'abomination. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte ! Et je ne peux m'empêcher de parler ! Faites-moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi à ce même recours. Tuez-moi, si vous le voulez. Il faut que je décharge mon cœur. Et quand va les fidèles, je vous dise ce que je vois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi qu'un oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est un effet de l'arbre. L'arbre est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel! Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Un bon vaisseau a besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres, la nécessité, n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damné à tous les diables. Oh, beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Je vous trouve à propos. Je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le scelle point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités,
de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels ou m'apporter le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessin, Don Juan, ne choque point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous les deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Pouvant être impliqué au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille, et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur, et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi? Vous voulez que je me pète un semblable discours? C'est le ciel qui nous veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un convent pour la laisser ensuite. Le ciel n'entendra ça. Nous souffrirons cette tâche sur notre famille. Et prenez-vous-en au ciel. Et quoi? Toujours le ciel. Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans la petite rue écartée qui mène au grand couvent. Et je vous déclare, pour moi, ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Mais si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Auparavant, j'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Ah, ah, le ciel n'est pas si exact que tu penses, si toutes les fois que les hommes... Ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Don Juan, tu n'as plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa paix est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Oh, monsieur, c'est un spectre! Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme, diable, je veux voir ce que c'est. Monsieur, voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Non. Non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je vais éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Monsieur, rendez-vous à temps de preuve.
et jetez-vous vite dans le repentir. Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suivez-moi. Mais